Coucou les filles. Je me suis amusée à faire un petit album avec la collection Victoria. Je vous le présente en vidéo parce que c'est un petit peu compliqué autrement. En fait, je vais vous montrer la collection. Donc j'ai utilisé les découpes de la collection, les papiers. Hop, il en reste plus beaucoup. Donc c'est cette collection là. Voilà. Voilà. En fait, j'avais envie de faire un mini sur la fête foraine. Donc, je me suis amusée à créer une nacelle, en fait. Comme la fête foraine, vous voyez? Nacelle. Voilà. J'ai retravaillé des pochoirs. Tout ça, c'est du carton plume. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est des... Ça, c'est le carton plume. C'est des trucs épais, comme ça. Tout blanc. Vous voyez? C'est des grandes plaques, en fait. Voilà. J'utilise ça parce que c'est plus facile pour créer les structures. J'ai utilisé les découpes scrap paolic, si je ne me trompe pas, c'est ça. Donc les grandes, les découpées en deux. Ça, les petits pompons de la bulle. Ça, c'est un petit truc Artemio en fait. Ça se font, les découpes papier font partie de la collection Victoria. Tout ça, c'est des trucs récupérés sur les papiers bains. Idem. Bon, ça, c'est des anciennes fleurs. C'était dans les liquidations, je ne sais pas si Sylvie en a encore, mais bon, voilà. Les petits personnages de Tim Holtz. Tout a été retravaillé avec les peintures acryliques. Les poudres embossées de Nissi. Je sais pas. Voilà, celle-ci. Et couplé à celle-ci. Pour là. Vous voyez, c'est un peu caché par le reste. Comme ça, vous voyez. Voilà. Et bah ici, bon, si c'est les deux. Voilà. Donc voilà. Alors, je vous montre le système du mini. En fait, j'ai utilisé la charnière pour venir mettre une des découpes points de la collection. Ici, j'ai un petit aimant qui est caché derrière un métal. Et en fait, vous voyez l'aimant là. On voit presque pas avec la patouille. Voilà, j'utilise la pâte de plate pour faire toutes ces formes, toutes les petites rainures et les bosses et voilà. Alors, je vous montre les mines. Vu qu'on est à la fête foraine, donc en fait, vous voyez, cette charnière, ça s'ouvre comme ça. C'est tout simple. Vu qu'on est à la fête foraine, j'ai décidé de faire en forme de ticket. Donc voilà. Mes petits tickets. Si vous avez... Non, je vais pas pouvoir les mettre tous. Donc on va commencer à l'envers. Ça c'est la collection, ça c'est les papiers Acréate de la boutique. Je les ai déjà rangés. Oui, je les ai déjà rangés. C'est les nouveaux tampons Acréate de la boutique. Ben, ça sera mis dans l'isomatériel, c'est mis dans l'isomatériel, c'est les nouveaux tampons. Ça c'est toutes les petites découpes de Tim Holtz aussi. D'Halloween que c'est lui à rentrer, sont les petites étiquettes. Vous voyez, les étiquettes là. J'utilisais ça, ça, une partie de là, une partie de là. Et les mots, j'utilisais là. Donc voilà. Ça, c'est les stickers. Je rangerai après. J'ai utilisé les cadres. Les films. Cadres, je ne sais pas où ils sont. Les gros blocs de Mintec que Sylvie a rentré avec tous les cadres. Il y a des cadres, il y a le jeune journal, il y a avec toutes sortes de fleurs, de trucs. Enfin, il y a trois sortes. Ça, c'est celui avec les cadres. Voilà. En fait, les photos, je vais pouvoir les glisser par en dessous. C'est léger, mais ici, il y a une qui vient dessus. Regardez où je peux glisser en dessous. Ça, c'est pour mettre une grande photo. J'ai rien travaillé plus. Donc voilà, ça, c'est des chutes de papier AB Studio. Ça, vous voyez ici, on voit mieux. J'ai glissé ma photo par en dessous, en fait. Je sais pas si vous voyez. Comme ça, je peux glisser ma photo en dessous. Donc voilà, ça, c'est toujours les tampons Alcréate. Hop. Ça, c'est une autre découpe du papier Steampunk d'AB Studio que j'ai. C'était une chute. Ça, c'est les tampons Alcréate aussi. Alors, ça, c'est les Craft et Clock. Qui vient de rentrer la planche de Steam Pub. Les chiffres, c'est pas de la boutique. Ça, par contre, j'ai pas.
Voilà, j'ai mixé vraiment ces trois trucs là. Toujours le tampon Alcréate. J'adore cette marque, c'est avec quoi j'avais fait la petite carte. La même chose, du steampunk, de la planche steampunk. Voilà. En fait, là, je peux glisser par derrière. Vous voyez? Et ici, je peux la glisser sur le côté, idem. Comme ça, c'est plus facile quand vous avez des cocons, c'est un petit truc. Vous collez pas tout, vous collez que quand vous avez mis les photos. J'ai joué sur très peu, j'ai vraiment créé des embellissements dans le style steampunk. Ça, c'était une chute de l'art journal que je vous avais fait en Georgia Blue de Prima, donc, vous voyez. Enfin, il y a trois marques en fait. Il y a Prima, il y a AB, il y a tous les papiers de la boutique quasiment. Voilà, on continue. Ça, je vous le montre comme ça parce que sinon vous n'alliez pas bien voir. Et en photo, c'était ça venait un petit peu fourni. Donc voilà, j'ai vraiment joué avec tout ça, cette collection-là. Je me suis amusée. J'ai travaillé avec des mousses de vol. Ici, je mettrai peut-être quelque chose après, mais je ne sais pas. C'est la même chose. Ça, c'est Craft & Clock. Et ça, c'est la planche Steampunk. Ça, c'est Tim Holtz. Alcréa, Tim Holtz. Une chute de papier de la collection. Donc, les 4 vintés. Voilà. Voilà. Vous l'entendez, hein? Il cloque bien. Donc, je vous montre l'intérieur. En fait, c'est les papiers de la collection. Ça, c'est même un bout de... Je ne sais pas si vous voyez bien. Oui. Vous voyez le fond? Ça, c'est carrément... Ce papier-là. J'ai récupéré ça parce que je ne voulais pas couper ma dernière page. J'ai vraiment envie de faire une page avec. Voilà, donc ça, c'est toutes les chutes. Donc, j'ai d'abord créé le caisson. Je l'ai patouillé. J'ai utilisé avec les angles, les acryliques, j'ai pris les roses, le brun, Rusty Room, Rose Amour, c'est pas celui-là, ah il est là, hop là, voilà, j'ai pris Rose Amour et le rouge, voilà. Ça vous donnait pas tout là avec la pâte de plat. Voilà. Comme ça, vous savez tout. Vous savez du tout. Voilà. Je change mon ticket. Tout simplement. Et hop là. Voilà. Et donc, vous voyez, hop. Clac, ça se fait tout seul. Et ça tient bien. Ça tombe pas vraiment. Hein, faut y aller avant que ça tombe. Pas. Je te mettrai ça après. Mais non. Donc ça, faut vraiment vouloir pour que ça tombe. Ah, parce que j'ai pas été délicate. Donc voilà, je vous laisse voir la combien la structure. C'est juste une demi-caisse. C'est du carton plume découpé et mis en forme pour créer ça. Les petits embellissements, les fleurs de la boutique. Ça, c'est des très vieilles fleurs Prima, par exemple, très très vieilles. Je ne sais pas si c'est de chez Sylvie. Je dois dire, enfin voilà. Donc voilà, je me suis amusée. J'espère que ça vous plaira. Moi, je me suis bien amusée à le faire. Maintenant, il ne reste plus qu'à mettre les photos de fête foraine dedans. Bisous les filles, à bientôt.